Personne ne nous a suivis. Nous avons laissé les forces impériales très loin derrière. Il y a un problème ? La galaxie tout entière s'offre à nous. Et pourtant, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas où aller. J'espère que tu as un plan. Il faut se rallier aux ennemis de l'Empereur et trouver quelqu'un pour m'apprendre ce que Vador ne m'a pas appris. Donc on continue de chercher des Jedi. Il y en a un qui est peut-être encore en vie. Le général Kota ? Oui. Quand je l'ai affronté, il m'a dit qu'il ferait partie de mon avenir. Eh bien, j'espère qu'il disait vrai. Direction Nar Shaddaa. Princesse Leia, c'est un honneur d'accueillir un membre du Sénat. Ne vous moquez pas de moi, Capitaine Stern. Nous savons tous les deux que je suis retenue en otage. On cherche à empêcher mon père de s'élever contre l'Empire. Dans ce cas, la situation est très claire, sénatrice. Tant que votre père tiendra sa langue, il ne vous aura fait aucun mal. Sinon, vous serez la malheureuse victime d'une révolte de Wookiee. Ces esclaves sont des brutes épaisses, vous savez. Conduisez-moi à mes quartiers. Avec plaisir, princesse. Général Kota ? J'ai payé pour avoir cette table alors qui que vous soyez. Foutez le camp ! Je vous ai traqué dans toute la galaxie, de Nar Shaddaa à Zyost. Qui es-tu ? Un chasseur de primes ? Pas vraiment, mais on doit pouvoir s'entraider, Jedi. Mais je ne suis plus un Jedi. Plus après... ça. Vos yeux ne m'intéressent pas, seul votre esprit compte. Et tout ce que vous pouvez m'apprendre pour combattre l'Empire. Ceux qui affrontent l'Empire n'y survivent pas, mon garçon. Quoi, là-bas ? Il n'est pas loin. Il vaudrait mieux que vous ayez tort, général. Le voilà, là-bas ! On bouge plus !
garçon. Les forces de l'Empire sont illimitées. Tu finiras par te faire tuer. Ou pire. Et tout restera comme avant. Alors vous préférez croupir dans une cantina plutôt que mourir en héros? Je ne sais pas. Mais je connais quelqu'un au Sénat qui pourrait exploiter tes talents au sabre laser. Où est ton vaisseau ?